Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 39e épisode, 39e podcast de Un jour un film. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film qui est sorti en 1982 et qui est réalisé par Alan J. Pakula, et ce film, c'est Le Choix de Sophie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pakula, donc c'est un cinéaste, on va dire, engagé, qui a fait des films plutôt politiques, tels que le plus connu, Les Hommes du Président, que je vous conseille si vous n'avez pas vu ce film, qui est vraiment... un film vraiment très très bien. Là, avec Le Choix de Sophie, donc, qui est l'adaptation du roman éponyme, Lee dirige donc un trio d'acteurs avec bien évidemment Meryl Streep, mais aussi Kevin Kline et Peter McNichol. Alors, donc, ça part de quoi, Le Choix de Sophie? Donc, c'est l'histoire d'un jeune romancier qui, on va dire, qui est sans le sou et qui emménage dans un petit quartier de Brooklyn, à New York, à la fin des années 40, 1947 précisément. Il emménage dans une petite chambre à l'intérieur d'une grande maison. Il va donc rencontrer très vite ses voisins du dessus, qui sont un jeune couple qui vivent une relation passionnée, tous les sens du terme, et un peu tumultueuse. Et il va se lier d'amitié avec ces deux-là, mais bien sûr davantage avec donc, la jeune femme, qui est interprétée par Meryl Streep, qui est une jeune immigrée polonaise qui est une survivante de Auschwitz et qui, on va dire, cache un lourd passé, un lourd secret et reste assez discrète sur sa vie d'avant, avant d'arriver aux États-Unis. Elle vit donc avec son compagnon, qui est interprété par Kevin Kline, qui lui est un personnage un peu fantasque, mais qui est un peu, qui est très versatile, qui passe, on va dire, d'un extrême à l'autre, et qui est quelqu'un de très 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 jaloux. Voilà un petit peu l'histoire. Ça, c'est un peu le pitch. Alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé d'ores et déjà? Je pense que c'est surtout un film d'acteur, parce que ce qui saute aux yeux avant tout avec ce film, évidemment, c'est la performance de Meryl Streep, qui est vraiment hallucinante. On savait que c'est vraiment une des plus grandes actrices américaines, sinon mondiale, et là elle livre vraiment une performance d'une justesse, d'une sensibilité, d'une profondeur vraiment comme on en voit rarement au cinéma, sachant qu'en plus elle joue donc le rôle d'une émigrée polonaise, qu'elle parle avec un accent pendant tout le film qui est, bon, alors moi je m'y connais pas non plus en accent polonais-américain, américano-polonais, mais pour moi il est parfait. En plus elle parle trois langues dans le film, elle parle donc polonais, dans des scènes de flashback, elle parle allemand aussi, et couramment. C'est assez impressionnant, la performance qu'elle livre. Kevin Kline, qui, je crois, avait son premier rôle au cinéma, est lui aussi vraiment superbe, et le duo, en fait, le couple. Et du coup, ça fonctionne vraiment très très bien. Après, Peter McNichol, bah, lui, bon, il joue plus... dire un peu l'amoureux transi, le personnage de l'amoureux transi qui rêve donc de cette jeune femme-là et d'avoir un peu un amour, de vivre un amour interdit avec elle. Du coup, effectivement, face à Meryl Streep, il s'efface totalement, quoi, parce qu'elle prend tellement, en fait, toute la lumière, le cadre, de par la puissance de son interprétation. Donc pour moi, effectivement, ça fait plus film d'acteur, film à performance. Après, je connaissais un petit peu l'histoire. Après, j'ai été vraiment embarqué du début à la fin, et c'est vrai qu'on a envie de savoir en fait quel est finalement ce choix de Sophie. Moi, je ne spoilerai pas, mais moi je le savais un petit peu. Mais on a envie de savoir vraiment qu'est-ce qui l'a poussé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période où elle était donc à Auschwitz. Et tout ça est évidemment relaté sous forme de flashback. Alors, en termes de réalisation, on est sur quelque chose de très beau. Hein. La lumière est vraiment formidable. C'est des choix de cadrage vraiment ultra précis. Là, toutes les parties flashback, la lumière est magnifique. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que ce film, moi je l'ai plutôt bien aimé, mais j'ai pas non plus été transcendé, si ce n'est par la performance de Meryl Streep. C'est tout simplement que, en fait, je sais pas, il y a un truc, moi, qui me manque, en fait, mais je pense que ça vient aussi du roman, que je n'avais pas lu, hein, mais il y a un truc, en fait, qui, je sais pas, qui m'empêche de plus m'attacher aux choses, à la relation des personnages,
Peut-être que c'est le fait que ce soit du point de vue du romancier, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que bon, moi j'ai trouvé que c'était un beau film, un beau drame, mais qui m'a pas du tout renversé, quoi. Moi je lui mets la note de 7 sur 10, donc ça reste plutôt bon hein, quand même, mais voilà, pour moi c'est pas du tout le chef-d'œuvre dont j'avais entendu parler. Voilà en tout cas pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour un autre film. Au revoir.